En plus de 70 ans d'existence, le monde des Grands Prix a connu beaucoup d'événements et de situations comiques, historiques ou complètement dingues. Des photos un peu bizarres, étranges ou complètement what the fuck, on en a eu, et récemment j'ai posté cette photo sur Instagram et vous aviez été nombreux à me demander ce qu'il s'était passé ce jour-là pour qu'on ait une telle photo. Et bien pourquoi pas vous l'expliquer dans ce tout nouveau format, Photo Finish. Un petit format vidéo où on reviendra sur les photos les plus dingues de l'histoire des Grands Prix en expliquant ce qui s'était passé ce fameux jour-là et pourquoi on a eu un tel cliché. Donc c'est parti pour Photo Finish épisode 1 que j'ai baptisé Seul avec du monde autour. Cette photo est l'une des plus connues de ces dernières années en MotoGP. On y voit un pilote, seul devant sur la grille de départ en pole position, qui regarde derrière lui ses petits camarades qui sont extrêmement loin, tout au fond de la grille. Alors qui c'était, quand c'était et surtout, pourquoi on a eu cette situation? Pour ça, il faut revenir en 2018 sur le tracé Termas de Río Hondo en Argentine, qui sera d'ailleurs le Grand Prix de ce week-end, retour, puisque ça faisait quelques années qu'on n'y était pas allé à cause du Covid. Lors de la Q2, deuxième séance qualificative, la piste était encore mouillée de la pluie de la journée. Mais une trace séchante apparaissait petit à petit. Pourtant, pas de quoi rouler en slick, hein. Tout le monde part avec des pneus pluie pour effectuer son chrono. Mais cette partie séchante de la piste qu'on avait vue plus tôt, elle commence à s'élargir au fur et à mesure que les pilotes effectuent leur tour. Même si la plupart de la piste reste totalement détrempé, empêchant forcément de mettre des pneus slick. La séance passe et Jack Miller prendra une décision plutôt étrange, passer des pneus slick alors que tout le monde est en pneus pluie. Il expliquera qu'il avait fait ce choix parce qu'il se rappelait d'un pilote en Moto 3, Kerulidam Pawi, qui avait roulé avec des pneus slick sous la pluie et qui avait même gagné, prouvant qu'il y avait un bon grip malgré tout. Mais là on est en MotoGP, donc pari très risqué au vu de l'état de la piste. Et au drapeau à damier, ça semblait se confirmer pour Miller, le pari était pas vraiment le bon. Danny Pedrosa prendra la pole position en pneus pluie et Jack Miller pointait à la 7ème place lors du drapeau à damier. Mais l'Australien n'en avait pas fini avec cette qualification parce que lui il était dans un tour lancé. C'est-à-dire qu'il lui restait encore une seule et unique chance pour faire ses preuves avec ses pneus slick. Et contre toute attente, il arrivera à prendre la pole position avec des pneus slick. C'est d'ailleurs sa première pole en MotoGP au passage. Alors oui, encore une fois, le pari était très risqué, mais Miller l'a pris ce pari et ça a marché. Vous comprenez aussi peut-être un petit peu mieux d'où vient le fait que Miller soit très à l'aise avec des pneus slick dans des conditions compliquées. Ça date pas de l'année dernière. Voici donc Jack en pole position pour la première fois de sa carrière en MotoGP pour la course du dimanche à bord de sa Ducati Pramac. Mais juste après la Moto2, le temps semble un peu capricieux et il est difficile de savoir si la course va être déclarée humide ou sèche. Les pilotes se placent quand même sur la grille et la décision est donnée, la course est déclarée wet, donc course humide. Quand c'est comme ça, forcément, on équipe des pneus pluie. Et c'est là que le grand cafouillage commence, ou disons-le très clairement, le gros bordel. Déjà, il faut prendre en compte une chose, si la piste est déclarée wet, donc humide, on a des chances de voir arriver un flag to flag. Le flag to flag, vous le savez, c'est lorsqu'un drapeau blanc est agité que les pilotes peuvent rentrer au stand pour changer de moto et mettre des pneus inverses de ceux qu'ils avaient déjà. Donc s'ils sont en pluie, ils passent en slick, s'ils sont en slick, ils passent en pluie. Mais là, course wet, donc pour tout le monde, ces pneus pluie, sauf pour une personne, un certain Jack Miller. Il était le seul de la grille de départ à ne pas croire à la pluie et à garder ses pneus slick qu'il avait pris initialement, alors que tout le monde avait pris des pneus pluie. Sauf que la pluie ne semble pas s'abattre comme prévu sur le circuit, même si la course est déclarée wet, humide. Et là, il se passe une chose incroyable. Tous les pilotes qui attendaient le début de la course sur la grille se mettent à rentrer au stand pour changer de pneus et mettre des pneus slick, alors que tout le monde était en pneus pluie et que c'était déjà établi, donc normalement, aucun changement n'est possible. Tout du moins, tout changement ou problème technique vous fait normalement partir depuis la voie des stands quand c'est comme ça. Sauf qu'ici, il était bien entendu trop dangereux de faire partir une vingtaine de pilotes en même temps depuis la voie des stands. Puisqu'on le rappelle, seul Jack Miller n'était pas rentré au stand pour changer de pneus puisque lui, il avait déjà des pneus slick, alors que tout le monde était initialement en pluie, puis ont changé pour des slick. En gros, il ne restait plus qu'une personne sur la grille, Jack Miller. La course est donc retardée et forcément, du côté de Jack Miller, on n'est pas content du tout de voir que tout le monde va pouvoir changer de pneus alors qu'ils étaient en pneus pluie jusque-là et que seul lui avait fait le pari de partir en slick. On a même été jusqu'à demander à Miller de lui aussi rentrer au stand pour effectuer une nouvelle procédure de départ pour des raisons de sécurité. Sauf que Jack et son équipe, ils n'ont absolument pas voulu, et à juste titre. Ils sont restés seuls en grille, estimant que ce serait pénalisant pour lui de faire une nouvelle procédure de départ, alors que ce sont les autres qui changent d'avis au dernier moment, et pas lui. Et c'est bien normal. La situation devient donc encore plus étrange quand la direction de course décide qu'ils ne peuvent pas faire partir tout le monde depuis la voie des stands, et qu'il va falloir, pour ça,
replacer tous les pilotes en grille, tout en prenant compte qu'il faut laisser un avantage à Jack Miller. Et c'est donc là que cette photo absolument incroyable intervient. Jack Miller se retrouve seul au monde en première position, pendant que tous les pilotes sont placés tout au fond de la grille pour lui laisser un avantage. 5 lignes le séparent du deuxième qualifié, Danny Pedrosa. Une situation totalement dingue, mais surtout totalement unique. C'était la première fois qu'on voyait une telle chose. On se dit que enfin cette course va pouvoir commencer, elle est d'ailleurs réduite à 24 tours, mais juste après le tour de chauffe, il se passe encore quelque chose. La moto de Marc Marquez cale. Il essaie alors de la redémarrer tout seul et de se replacer sur la grille de départ, alors que normalement, si la moto cale, elle est immédiatement évacuée de la grille. Et c'est un départ de la voie des stands qu'on doit faire dans ces cas-là. Sauf que ça se passe pas vraiment comme ça, ce nouveau cafouillage. Il réussit à se replacer en grille et le départ est donc donné. Il écopera tout de même d'un rice shoe pour ça, un passage par la voie des stands donc, puis dans sa remontée, il viendra percuter Aleix Espargaró, mais sans le faire tomber. Il sera à nouveau pénalisé pour ça, il devra rendre une position. Et un peu plus tard, ça continue, puisque c'est au tour de Valentino Rossi d'être percuté par l'Espagnol. Cette fois, Rossi tombe et Marquez aura 30 secondes de pénalité après le drapeau à damier. Par ailleurs, durant la course, autre fait intéressant, le drapeau blanc est agité, signifiant que le flag to flag est annoncé et que les pilotes peuvent rentrer au stand pour changer de pneu, mais personne ne le fera. Au final, sur cette course, ce sera Cal Crutchlow qui remportera cette épreuve et qui deviendra d'ailleurs le premier pilote satellite à mener un championnat depuis C.T. Giberno en 2004, mais aussi le premier pilote britannique à mener un championnat en catégorie reine depuis Barry Sheen en 1974. Quant à Jack Miller, après avoir mené une longue partie de la course, il se fera une frayeur malheureusement sur une partie humide de la piste et sera relégué à la 4e position. Il terminera malheureusement cette course à cette place, pas de podium pour lui, laissant Cal Crutchlow se batailler avec Juan Zarco en deuxième et Alex Rins troisième pour le podium. Voici donc l'histoire de cette fameuse photo. Une photo totalement dingue et qui peut montrer justement à quel point il y a des situations qui dépassent même la direction de course et qui peut créer un chaos général au sein du paddock. L'histoire est folle mais un peu triste pour Miller qui ne s'offrira même pas son podium. En revanche, ça a prouvé deux choses à ce moment-là. De 1, à la direction de course, il y a pas mal de choses à revoir. Et de 2, Miller, il sait prendre des paris risqués. Et les autres ne se sont pas vraiment mouillés, si je puis dire. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère que ça vous a plu. J'espère que ce nouveau format vous plaît aussi. Ça me paraissait intéressant d'en parler parce que c'est une situation complètement dingue. On retrouve un Jack Miller qui, lui, est resté campé sur ses positions, n'a pas accepté de rentrer et d'obéir pour rentrer au stand, changer de pneu et se faire pénaliser au final, puisque lui, il était premier. Il était premier avec le bon choix de pneu. Techniquement, tout le monde aurait dû partir dans cet état. Lui en slick, les autres en pluie. Et au bout d'un moment, dès qu'il y a le flag to flag, tout le monde rentre pour mettre des pneus soft. Mais ça s'est pas passé comme ça, malheureusement pour Miller, ce sera une 4e place. Merci d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, pensez à la liker, la commenter et la partager. N'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la petite cloche si ce n'est pas déjà fait. Quant à moi, je vous laisse, je vous donne rendez-vous très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous, portez-vous bien et veillez à tous.